Et bonjour à tous, aujourd'hui on est à Ardèche, premier jour d'un week-end de 3 journées. On est au Croc de Jehoran pour une randonnée de 12 km et 450 de dénivelé. Voilà, on va découvrir vu qu'on ne connaît pas du tout le coin. On va profiter du soleil parce que pour le reste du week-end il annonce beaucoup de pluie. Donc on verra ce qu'on peut faire dans le week-end. Allez, c'est parti! Allez, donc petite rivière là déjà. Et donc, spécialité du coin, le fin gras du Mézin. Alors, c'est quoi le fin gras, toi, qu'as lu ? C'est une viande bovine, ouais. Saisonnière de février à juin. Et qui, en fait, la particularité, c'est de manger du foin. D'accord. Et d'un engraissement spécial. Ok, donc le fin gras du Mézin, viande de bovine qui mange du foin et en début d'année. Allez, après un petit bout de route, on attaque sur le visage rouge-jaune et on suit le sentier l'eau et sa force. Donc oui, on suit, on attaque enfin le chemin après avoir fait 200-300 mètres de route. Ah, c'est bien, on est à l'ombre, en sous-bois, très verdoyant, donc de l'herbe grasse, des jolies fleurs. Ça change d'Avignon que c'est déjà tout sec chez nous là-bas. Là, ça reste bien vert. On va aller. Ah, je sais pas si c'est pas le barrage là-bas. Je crois comme il passe. On va au fond, le barrage électrique. Là, au bout de la vallée là-bas. Ça, on va faire le tour comme ça. On va aller là-bas et on reviendra de l'autre côté. Allez, kilomètre 1,250 là, après avoir monté depuis le début là, une bonne petite ascension, on se retrouve sur un plateau et comme vous voyez, envahi de genêts, tous en fleurs, et toutes les montagnes en face, c'est tout jaune de partout. Je peux vous dire que ça sent super bon. Oh. De la verdure partout! Beau champ avec beaucoup de fleurs et hop, côté gauche, forêt très dense, qui doit être habité par de nombreux sangliers. Kilomètre 2 pour déjeuner, perte de vue. Bout de route désaffecté et on va rentrer en forêt. Tout à l'heure, c'est ça, alternance de passage en forêt et de passage dégagé avec vue sur divers monts de l'Ardèche que je ne citerai pas. Petites éoliennes sur le mont en face là-bas. Et des belles forêts bien denses. Voilà, tout ça dans une relative fraîcheur. Il va faire 18 degrés là, super agréable. Voilà, alors des hêtres ou je sais pas, je m'en renseignerai, mais ils sont énormes, ceux-là, d'une centaine d'années sans problème. Impressionnant. La hauteur et la taille des troncs. C'est joli pour les sols, le début de la rando. Rando simple, terrain facile, mais. Ça va être une belle balade. Des paysages variés. On aurait croisé des ruisseaux et le barrage, il me semble. Kilomètre 3,8. On amorce la descente. Après avoir fait un bon bout en plateau. Donc on amorce la descente vers la rivière, dont j'ai pas le nom. On devrait tomber pas loin du barrage, ça fait une retenue d'eau, une jolie descente en sous-bois, très agréable, très vert.
km 4x4, partie un peu plus technique là dans une descente passage de VTT. Et ça se voit à la caméra, on arrive à un ruisseau. Donc sûrement le premier des trois ruisseaux. On tourne, tourne. Oh. C'est toujours le chemin, le rouge, le jaune blanc. Oh, il y a un petit pont. Je me disais, on évite le ruisseau, mais... Enfin... Bon, plutôt bien balisé, là. Apparemment, c'est le sentier de l'eau et de sa force. Ça doit être mis en place là, par l'office de tourisme du Gros de Girorand. Joli pont, là, en pierre. Et notre petite rivière, dont j'ai pas le nom, forcément. C'est joli, là, ce coin. Ah, j'ai descendu un peu, mais on n'a pas de recul pour filmer le pont là, sur lequel on vient de passer. Une superbe arche de pierre. Malheureusement, j'ai pas le recul nécessaire pour qu'on le voie en entier. Un petit bout de route là, on va pas tarder à arriver au-dessus du barrage. En face, la petite montagne où on était sur le plateau tout à l'heure, là qu'on a redescendu, passé en bas, là il y avait le ruisseau. On a remonté sur l'autre versant. On devrait pas tarder à avoir un visuel sur le lac de la retenue de Gage. Allez, kilomètre 6. On arrive, donc premier abus sur la retenue, le barrage, mais bon, malheureusement il est quasiment vide, il reste une petite mare au fond, avec, on voit un petit ruisseau qui l'alimente là-bas, et là en face, pareil. Donc c'est vrai qu'en arrivant, là, on est passé au barrage de la Palisse en voiture, et c'est pareil, il était vraiment très bas. Alors je sais pas si c'est volontaire qu'ils ont vidé ou si c'est le manque d'eau, mais ça fait peur, hein, pas une goutte d'eau dans les retenues. Allez, on voit un petit peu mieux là, mais c'est que ça manque d'eau. C'est joli, en fait, il fait un demi-cercle avec une espèce de presqu'île, là, très joli. Manque d'eau, mais il doit manquer au moins 5-6 mètres d'eau. Magnifique là. Allez, on va quitter le morceau de route et on va amorcer la On va amorcer la descente là par le petit chemin à droite. Voilà, j'ai sauvé Ada, elle partait tout droit, elle n'avait pas vu le petit panneau. Faut qu'on y passe au lac. Voilà, on suit toujours là, apparemment ils l'ont bien marqué, sentier de l'eau et sa force. Toujours pareil. Donc là, on a enfin quitté la route, on a fait un bon kilomètre sur la route, bon, petite route de campagne, pour croiser une voiture et la belle vue. Donc au final, pas très désagréable la route. Là, on prend un joli petit chemin herbeux qui va nous amener en bas au lac, et vu qu'il est déjà 13h15, ce sera le moment de faire la pause repas avant d'aller voir. Je crois qu'il y a un petit ruisseau où on remonte et il y a des marmites, peut-être des petites cascades. On verra ça. Ouah, c'est vert comparé à Avignon, c'est impressionnant. Ça, c'est de l'arbre. L'humidité là et la fraîcheur là, il y a encore de la mousse de partout, sur tous les cailloux là. Un petit chaos de cailloux là au milieu de la forêt là, tout ça rempli de mousse. On entend la rivière en contrebas, mais on n'y est toujours pas. On va pas tarder. On commence à avoir faim là, 13h30. Allez, on suit toujours notre petit sentier, l'eau et sa force. Ça descend, on prend la bonne direction.
On va y arriver au ruisseau. Et une jolie cascade. Une cascade, une petite chute. Ça va être notre bruit de fond pour le repas. Et tout à l'heure. Une limace. Allez. Ça va être notre rocher pour la pause repas au bord de la rivière. Voilà, un joli rocher là, on va se poser là. Pas très bien. Alors, ben, l'eau est pas très claire, on verra pas les truites. Hein. C'est une jolie petite rivière. Bon ben ce matin c'était soleil mais ils sont pas trompés là, hein. Il y a beau nuage, ça se voit à la caméra mais ça commence à bien pleuvoir. On va sortir le petit coupe pluie puis sinon on sortira le... Et sinon on sortira le poncho. Allez, pour parodier les copains, hein. Katia IJP, c'est l'heure de la blague pompote. Hein. Donc celle-là vous la connaissez déjà. Quel est le légume le plus jeune? Le pané. Je ne l'ouvre pas. Alors, celle de Adam maintenant, c'était quoi? Quel est le contraire du potiron? Le grand carré. Allez, c'est la blague pompote. Allez, ça y est, après le repas, on s'est mis en mode escargot, et nos jolis ponchos. Et puis on va continuer la rando, on en était à 7 km. Donc il nous reste à peu près 5 km. On se pose la question, savoir ce qu'on va faire. Normalement, on remontait un peu en haut, là il y avait quelques bourgs. À voir, ou est-ce qu'on prend directement le pont et le chemin de retour. On va voir, ça pleut, mais modérément, je pense qu'on va quand même aller faire remonter un petit peu voir les gourds. Allez, filmer 40 mètres au-dessus de la chute. Ah, dommage, il y a des branches. C'est joli. J'arrive pas à capter la cascade comme il faut. Allez, une autre vue là, un petit peu mieux. Superbe. Je voulais le filmer. C'est beau, hein? Oui, mais bon, le fond, ça vient de quelque chose dans le trou, là. Ah, il y a des trous dans le fond, c'est dangereux. Ouais. Allez, ben, on remonte, hein, maintenant. On va pouvoir passer au plus bas. On va remonter un peu la colline, là. On devrait faire une incartade à un moment pour avoir une vue plus sur le lac. Parce qu'au final, je pensais qu'on pouvait descendre tout à l'heure. Pour finir qui est au bord du lac, mais c'était pas le chemin. Ça rallonge. On va pas trop rallonger vu que là c'est bien gris, que ça pleuviote. On a eu quelques coups de tonnerre. On va pas tenter le diable, on va rentrer tranquillou. Sur ce beau petit chemin en balcon, là, surprise, là encore un petit ruisseau. Ça, qui nous fait des petites mini-cascades. Joli, très varié ce rando, rien d'extraordinaire au niveau du terrain et tout, mais
plein de jolis petits trucs, une superbe grosse cascade tout à l'heure, et là, des petits ruisseaux des choix là, des canyons qui se jettent tous là-dedans. Et comme je disais, notre petit chemin balcon très agréable, et en contrebas, on peut venir au travers des arbres là, la petite rivière, plein de gourdes, de petites cascades. C'est dommage, j'en ai un peu loin, il n'y a pas de senti qui passe vraiment hurrah, mais très joli. Kilomètre 9,5, ben, le barrage de la Gage. Donc à droite, ben, c'est la rivière d'où on arrive, qui alimente d'ordinaire. Hop. Donc là on est sur une des extrémités. Et là en bas, le petit ruisseau là qu'on voyait tout à l'heure, on était en face au kilomètre 6, là-bas on était au-dessus des genêts. Voilà. Je pense que notre sentier va faire le tour sur le chemin en face, on va avoir d'autres jolies vues. La balise, la sentier la force, sentier l'eau et sa force. Donc à droite on va aller faire un tour pour aller voir le barrage et l'autre vue du lac. Après on reviendra jusque là. On repartira à gauche et il restera 2,5 km pour finir la balade. Voilà. Là en fait on est sur le chemin où ça faisait une espèce d'île là. On avait filmé au kilomètre 6. Ça faisait une petite montagne arrondie là comme une île. Avec le lac en arrondi, on va aller à la pointe de ce truc. Allez bébé, on est arrivé au barrage. Au kilomètre 10, on voit il manque énormément d'eau, hein. Ça se voit bien en ligne de niveau, là ça peut monter jusque là où il y a les arbres. Allez, kilomètre 11, on en finit là, une grosse montée là, heureusement le chemin est bon, parce que pour un gros kilomètre là, ça monte sur un chemin en sous-bois, qui est bâtisse. Et qui finit là un peu plus haut, on devra retrouver la route, on va pas tarder à retrouver le village. Allez bon, ça a arrêté de pleuvoir, on va pouvoir débâcher. Gros des jours, 1,5 km, c'est bien, un joli petit chemin, on va pas prendre la route. Un joli petit chemin. Un peu comme dans les Cosses, là. Il y a des pâturages. Et les genêts, c'est longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ça sent trop bon. Là, qui est le pâturage. Tous les monts. En face, là. On fait le tour. Allez, là-bas au bout, juste en dessous du champ de genêt, là, on aperçoit le clocher du gros de Géoran. Là où on est garé, ça va se finir tranquillement, il reste un gros kilomètre. Bon, joli petit chemin, là. Chemin de mulet. C'est très agréable, là. Avec une odeur, vous n'avez pas la caméra, mais c'est vraiment... Et est parfumé cette randonnée là. Bon, on va l'enlever. Allez, le petit pont au-dessus du ruisseau. Pas la truite. Non, le petit. Allez, d'un coup, ben, le grand soleil qui ressort. Allez, moi ça, il est mignon le ballon. Allez, on arrive au gros de Géoran, plus qu'à traverser le village et on retrouvera la voiture. L'église droit devant. Ah bah non, c'est vraiment un petit ruisseau qui coule tout au fond.
On vient voir une belle rivière, celle de tout à l'heure, mais non, elle est un peu plus loin. Le petit lavoir. Mais je pense pas là. Au sanitaire là-bas, oui, mais pas là. Ah non, il n'y a pas de poisson dans celle-là. Allez, ben de nouveau la rivière de ce matin. La randonnée se termine. Allez, ben voilà, ainsi s'achève cette petite randonnée, là, 12 km 500 à peu près, très agréable. Du gros chemin, du petit chemin en sous-bois, beaucoup de petits ruisseaux, des cascades, enfin voilà, du soleil, de la pluie, on aura tout eu. Voilà. À la prochaine, en espérant que demain il fasse beau pour d'autres randonnées. Sortie des champs, là, c'était Cranberne.